Bonjour, je m'appelle Mamadou Diallo, je suis enseignant à l'INI, École nationale des ingénieurs de Bamako. Donc, j'aimerais parler un peu de l'éducation. D'abord, à commencer par le niveau secondaire, pour demander à mes frères et fils qui font le lycée de surtout choisir les filières scientifiques. Parce qu'on voit qu'au Mali, la science est en perte de vitesse. Ça, c'est au niveau secondaire. Donc, c'est pour les encourager à faire les filières scientifiques. Il ne faut pas qu'ils aient peur des sciences. Et je demande aussi à mes collègues du lycée de faciliter le choix des élèves. Il ne faut pas qu'ils rendent trop difficile la science. Il ne faut pas qu'ils font croire aux élèves que la science est difficile. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire, alors que tout le monde peut le faire. Maintenant, au niveau des universités, je demande aux étudiants de bien s'informer sur les filières qu'ils peuvent faire. Il ne faut pas laisser le choix aux parents de choisir pour eux. Quand je prends l'exemple sur l'ENI, il y a beaucoup de filières à l'ENI comme génie civil, comme électricité, comme topographie, zoologie. Il y a pas mal des étudiants qui pensent que si tu vas à l'ENI, c'est uniquement peut-être pour faire dessin bâtiment ou bien uniquement pour être zoologue. Donc s'ils s'informent en avance, ils peuvent avoir ces informations et ça leur permet de faire un choix et bien réfléchi. Et surtout ceux qui veulent faire la zoologie, parce que souvent ils font la zoologie, c'est parce qu'ils pensent que pour aller travailler dans les mines, c'est uniquement la zoologie. Or, tu peux être ingénieur en topographie pour aller travailler dans les mines. Moi, j'ai fait 7 ans dans les mines. Bon, je ne suis pas zoologue. Voilà. Donc, c'était ça, c'est ce message que je voulais passer. Merci.